It's a month of the blessing. C'est le mois de la bénédiction. Last Sunday we began talking about our blessedness in Christ. Et la semaine passée nous avons parlé de notre bénédiction en Christ. And we began to speak how blessed we are in Christ. Et nous avons dit que nous sommes bénis en Christ. Ephesians chapter 1. Ephésiens 1. Ephesians chapter 1, we are reading from verse 1. Alors Ephésiens 1 verset 1. I pray that you understand what we are teaching, you believe it. Et je prie que vous compreniez ce que nous allons enseigner et so que vous y croyez. It can stabilize your faith life. Afin que cela stabilise votre vie de foi. Now, from verse 1 it says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. He was writing to the Ephesian church and it was writing to believers. Et il écrivait à l'église d'Éphèse et il écrivait aux croyants. He said, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Verse 3, blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. Now, I want you to understand something. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose. The Ephesus church was suffering from a lot of persecution. L'église d'Éphèse souffrait de beaucoup de persécutions. Now, if you remember, sometime in 2021, for more than 1 year, I taught on the book of Revelation from chapter 1 to chapter 22. Vous vous rappelez que j'avais parlé du livre d'Apocalypse. J'avais enseigné sur le livre d'Apocalypse. From chapter 1 to 22. Alors, du chapitre 1 au chapitre 22. And I spoke about the Ephesus was where the throne of Satan was at that time. Et la ville d'Éphèse, c'était là où le trône de Satan se trouvait en ce moment-là. C'était le siège où Satan se trouvait. And so when Paul begins to write to the church in Ephesus, alors quand l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, as the Lord was giving him utterance, et l'Éternel lui donnait des ordonnances, this was a church that was suffering a lot of persecution. Et c'était une église qui souffrait de beaucoup de persécutions. This church was going through a lot of spiritual attacks. Et cette église passait par beaucoup d'attaques spirituelles. That is why you see in Ephesians chapter 6, it tells them we wrestle not against flesh and blood. Et c'est pour ça dans Ephésiens 6 on dit on se bat pas contre la chair et le sang. Because when they were going through spiritual attack, they began to accuse each other and attack each other. Parce que quand ils passaient par toutes ces attaques spirituelles, ils se battaient entre eux et s'accusaient les uns les autres. No, he said no. Il a dit non. It is not about human beings. Il a dit ce n'est pas au sujet des êtres humains. It's about principalities and powers. Mais c'est à cause des principalités et des puissances. And all kinds of wickedness in heavenly realms. Et toutes sortes de méchancetés dans les lieux célestes. So, because the people had lost the essence of the blessedness of Christ. Parce que les gens avaient perdu leur sens de la bénédiction de Christ. So that's why he started the letter by reminding them of how blessed they are in Christ. C'est pour ça qu'il commence cette lettre en disant de combien ils sont bénis en you Christ. You know, sometimes you can go through some challenges in life that you forget how blessed you are. Des fois, vous pouvez passer par des défis et vous oubliez combien vous êtes bénis. Because the devil's mission is to make you doubt what God has done for your life. Parce que la mission du diable c'est de vous faire douter de ce que Dieu a fait dans vos vies. But today we have come to tell the devil wrong number. Oh, aujourd'hui on est venu dire au diable wrong number. Mauvais numéro. Say the number you have dialed is not available. Le numéro que tu as composé n'est plus disponible. I didn't hear you. Say the number you have dialed is not available. Répétez le numéro que tu as composé n'est plus disponible. Because I know parce que je sais how blessed I am in Christ. Combien béni je suis en Christ. Celebrate Jesus if you believe that. Oh, célébrez Jésus si vous le croyez. Amen. Amen. So he writes. Alors il écrit. He said, "Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings." Now the word that he uses here, blessed and blessings here. Alors les mots qu'il utilise, béni et bénédiction. I said last week it is not from the same Hebrew word baraka. Et j'avais dit la semaine passée c'est pas le même mot que baraka. Because the word baraka, which means blessing, means to speak good words from a well-intentioned heart. Parce que le mot baraka veut dire prononcer des bons mots avec un cœur bon.
good words spoken. Des bons mots qui sont prononcés. But in this passage, Apostle Paul is not talking about good words spoken. Mais dans ce passage, l'apôtre Paul ne parle pas des bons mots qui sont prononcés. When he uses the word blessings here, lorsqu'il utilise le mot bénédiction ici, it's from another word called eulogia. C'est d'un autre mot qu'on dit eulogia. Which is also the same word we use when we talk about eulogy. Et c'est le même mot qu'on utilise lorsqu'on parle de l'eulogie d'une personne. Which means you are talking good, the things which somebody has done. Ça veut dire que vous parlez en bien des bonnes choses qu'une personne a fait. So the blessing here, donc bénédiction ici, it's actual benefits. C'est les bénéfices, les avantages. It says Jesus, Jésus has given us, nous a donné actual benefits, des avantages actuels, real benefits, des réels avantages. Now, it's not about spoken words, alors ce n'est plus des bons mots qui sont prononcés, it's reality, mais c'est de la réalité. So it says we have been given realities of heaven into our lives. Ça veut dire qu'il nous a donné les réalités du ciel dans nos vies. Am I speaking to somebody here? Est-ce que je parle à quelqu'un? That's what he's saying here. Alors c'est ce qu'il dit ici. And that is why he uses the word blessed, which is past tense. C'est pour ça qu'il dit il nous a bénis, qui est un temps passé. Because he is not blessing us again. Ça veut dire qu'il ne nous bénit pas de encore. He's not giving us again. Il ne nous donne pas encore. He already gave it to us. Ça veut dire qu'il nous a déjà donné. So I gave a demonstration last week. Alors j'avais fait une démonstration la semaine passée. If you can remember, si vous vous rappelez, we demonstrated something here. Nous avons démontré quelque chose ici. That in the old covenant, dans l'ancienne alliance, when you obey, quand vous obéissiez, then God will give you the blessing. Alors Dieu vous donnait la bénédiction. So I was using Pastor Johnson for that demonstration. Et j'avais utilisé le Pasteur Johnson pour cette démonstration. When you obey, quand vous obéissiez, God gives you the blessing. Alors Dieu vous donnait la bénédiction. But in the new covenant, mais dans cette nouvelle alliance, Jesus, by his obedience, Jésus, par son obéissance, he collected all the blessings. Il a pris toutes les bénédictions. But the Bible says, by one man's obedience, righteousness came. La Bible dit, par l'obéissance d'un seul homme, la justice est venue. So, which means, ça veut dire, the condition, la condition of the blessing, de la bénédiction, rest on Jesus. Est en Jésus. No longer on us. Ce n'est plus sur nous. Are you there with me? Est-ce que vous m'entendez? So what is our responsibility? Alors, quelle est notre responsabilité? Is to live for Christ. C'est de vivre pour Christ. To live for him. De vivre pour lui. Now, just get some things coming. Let me show. I did this last time. Alors il va encore redémontrer ce qu'il avait fait la semaine passée. So this is Jesus. Voici Jésus. He collected. He has all the blessings. Il a collecté toutes les bénédictions. Everything is with him now. Toutes choses sont en lui maintenant. Because he is the one in the covenant. Parce que c'est lui qui est dans cette alliance. So when you receive him now, alors quand vous recevez Jésus maintenant, you receive all the blessings. Vous recevez toutes les bénédictions. That is why Paul says we have been blessed. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle dans le passé, nous avons été bénis. We have been blessed. Nous avons été bénis. The day you accept Christ, alors le jour où vous acceptez Christ, that he comes with the full package. Il vient avec tout le paquet. Are you there with me? Est-ce que vous m'entendez? Say, I have the full package. Dis, j'ai tout le paquet. Now, maintenant, is it possible? Est-ce que c'est possible? To have all these blessings. D'avoir toutes ces bénédictions. Remember when I talk about the blessings? Et vous vous rappelez quand j'ai parlé de bénédictions? I have explained. J'avais expliqué. There are spiritual blessings. Il y a des bénédictions spirituelles. There are physical blessings. Il y a des bénédictions physiques. There are unmerited blessings. Il y a des bénédictions non méritées. There are unsolicited blessings. Il y a des bénédictions non sollicitées. And there are blessings by obedience. Et il y a les bénédictions qui viennent par l'obéissance. So we'll talk about that. When I talk about the blessings, I mean, it encompasses all this. Alors quand je parle de bénédiction, je parle de tous ces aspects des bénédictions. So Jesus has now everything. Alors Jésus maintenant a toutes choses. Now he says. Alors il dit, you, as you are in me, comme tu es en moi, you have everything. Tu as tout. But it's possible. Mais c'est possible. To have everything. D'avoir tout. And die without manifesting it. Et mourir sans manifester ce tout. Very possible. C'est bien possible. Because he says, parce qu'il dit, what I have given you, ce que je vous ai donné, for it to manifest, afin que ces choses se manifestent, into your real life, dans votre vie réelle,
It's based on your transformation. C'est basé sur votre transformation. Into his image. À son image. You understand me? Est-ce que vous comprenez? It's based on how you transform to his image. C'est de la transformation à son image. Because in the realm of the spirit, parce que dans le règne de l'esprit, nobody knows you. Personne ne vous connaît. They know only one person. Ils ne connaissent qu'une seule personne. And that is Jesus. C'est Jésus. That is why, if you will walk in this blessing, si vous marchez dans cette bénédiction, you must be transformed into the image of that one person. Vous devez être transformé à l'image de cette seule personne. Who is Jesus? Qui est Jésus? 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Let's look at. Let me show what I'm explain what I'm show what I'm explaining there. 2 Corinthiens 3 verset 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthiens 3 18. Can you walk with me fast please? We have communion to share here. S'il vous plaît rapidement parce qu'on a la communion à partager. Verse 18. Blessed are those who don't rely on the monitor. For they shall know their Bibles. All right, now. Okay, say, but we all, come on, say myself included. Alors, moi-même inclus. Say, we all. Dites tous. With an open face. Now, the open face is referring to Moses. Alors, ce visage découvert se réfère à Moïse. It's comparing Moses. Alors, il compare Moïse when ici. Moses came down from the mountain the second time. Alors, quand Moïse est descendu de la montagne la deuxième because fois. Because his face was shining. Parce que son visage resplendissait. And the people could not look at his face. Et les gens ne pouvaient pas regarder so son visage. So he put a veil on his face. Alors, il avait porté un voile sur son visage. But that veil. Mais ce voile. Prophetically. Prophétiquement. Was the veil of the law. C'était le voile du Seigneur. No, the law. Le voile de la loi. Calm down so that you can follow. Was the veil of the law. C'était le voile de la loi. So anybody. Alors toute personne. Who lived by the law. Qui vivait par la loi. Has a veil over their face. A un voile sur son visage. And the Bible says. Et la Bible dit. When Jesus died. Quand Jésus est mort. In Hebrews chapter 10. Dans Hébreux 10. He broke the veil. Il a brisé le and voile. And opened us up. Et il nous a ouvert. So we can behold. Afin que nous soyons entiers. We can behold. Nous soyons entiers. We can see. Et que nous voyons. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? So there's no longer any veil. Alors il n'y a plus de voile. Now you can see. Afin que vous puissiez voir said, maintenant. As in a mirror. Comme un miroir. This one says glass. Mirror is the same thing. Now the mirror there. Donc le miroir ici. Is a reflection. Est une réflexion. Come. This is Jesus. Donc voici Jésus. So he says. Alors il dit ceci. There is a mirror. Il y a un miroir. That reflects. Qui reflète. Not your image. Non pas ton image. When you look through the mirror. Lorsque vous regardez au miroir. You are not seeing yourself. Vous ne vous voyez pas vous-même. You are seeing Jesus. Mais vous voyez Jésus. Amen. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? Say. As in the mirror. Comme dans un miroir. When you look through that mirror. Quand vous regardez dans ce miroir. You don't see yourself. Vous ne vous voyez pas you vous-même. You see Jesus. Mais vous voyez Jésus. Why? Pourquoi? Because that mirror. Parce que ce miroir. Is the word of God. Et c'est la parole when de Dieu. When you look through the word of God. Quand vous regardez à travers la parole de Jesus. Dieu. Vous voyez Jésus. And when you open your spirit. Et vous ouvrez votre esprit. To what you see. Pour ce que vous it voyez. It comes on you. Alors ça vient vers and vous. And transforms you. Et ça vous transforme. To become like what you see in the mirror. Pour que vous deveniez ce que vous voyez dans ce miroir. Do you understand me? Est-ce que vous comprenez? It transforms you. Ça vous transforme. So what you see in the mirror. Donc ce que vous voyez dans le miroir. Your reality. Devient votre réalité. When it becomes your reality. Lorsque cela devient votre then the réalité. Bible says, la Bible dit. You are transformed. Nous sommes transformés. Into the same image. À la même image. Which image? Quelle est cette what image? You saw in the mirror. Qu'est-ce que toi vous avez becomes vu dans ce miroir? Your own image. Ça devient votre propre image. What you saw in the mirror. Ce que vous aviez vu dans cette image dans ce world. Miroir. And when that happened.
Come on, somebody say with me, say when that happened. Et cela arrive. When that happened. Et quand cela arrive. Heaven is not my limit. Oh, le ciel n'est plus ma limite. Ah, yeah, 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 quand yeah, cela yeah, arrive, yeah. Le ciel n'est plus Are ma you limite. Hearing me? Est-ce que vous m'entendez? Amen. When it happens. Quand cela arrive. Then it says. I dit ceci, you begin to move. Vous commencez à marcher. From glory. De gloire. To glory. De gloire en gloire. To glory. De gloire en gloire. To glory. De gloire en gloire. So if my 2024. Alors si mon is glorious. 2025, alors 2025 will be glorious, glorious. Serait plus glorieux que glorieux. 2026, glorious, glorious, glorious. Glorieux, glorieux I prophesy glorieux. To you. Et je le prophétise Move from à glory vous. To glory. Vous marchez de gloire Let en gloire. The power of transformation take you to another dimension. Amen. In the name of Jesus. Amen. Celebrate the Lord if you oh, believe that. Célébrez le Seigneur si vous y croyez. Thank you, come on, look at your neighbor. Et regardez votre neighbor. Voisin. Say, I know the mirror. Et dites, je connais come le miroir. Come on, say, I know the mirror. Je connais le miroir. Say, my face is not covered. Oh, mon visage n'est plus There couvert. Is no veil on my face. Il n'y a plus de voile sur mon I visage. I see the mirror. Je vois le miroir. And I am transformed. Et je suis into transformé. The image of Christ. De Christ. And look at me. Et regarde-moi. Because glory is manifesting. Parce que la gloire say, se glory manifeste. Is manifesting. Parce que la gloire glory se manifeste. Is manifesting. La gloire Somebody se manifeste. Give the Lord a prayer. Oh, je te donne de louange au Seigneur. Come on, there's glory manifest. Oh, la gloire se manifeste. Transformation. Come on, come on. Come on. La brodo seketa. Mahinda bo shatata. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? And nothing can stop you. Et rien ne peut vous arrêter. Because the glory parce que cette gloire begins to manifest. Commence à se manifester. And the Bible says, et la Bible dit this glory cette gloire is better, est meilleure is better est meilleure than the glory que la gloire that was upon Moses qui était sur Moïse when he came down from the mountain. Lorsqu'il était descendu de la montagne. Come on, come on. It was better. C'était meilleur. May there be a transformation qu'il y ait une transformation and a manifestation et une manifestation in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Celebrate the Lord, somebody. Célébrez le Seigneur. It was better. C'est meilleur. They could not look at the face of Moses. Ils ne pouvaient pas regarder au visage de Moïse. And the Bible says, et la Bible dit the glory will radiate. Et cette gloire irradiée. It's better than that. Et cette gloire est meilleure que celle-là. And you tell me that I can fail? Et vous me dites que je peux échouer? No way. Non. No way. Non, aucune façon. And you tell me that the devil can stop me? Et vous me dites que le diable peut m'arrêter? Who born devil? Qui est ce diable? He cannot. Il ne peut pas. Because? Parce que? If Moses' glory. Si la gloire de Moïse. They could not look at him. On ne pouvait pas la regarder. And your own glory. Et votre propre gloire. Produced from the image of Christ. Est produit de l'image de Christ. Is bigger than that glory. Et que la gloire est plus grande Who que celle-là. Can stop? You. Qui peut vous arrêter? That is what the Bible says. Et c'est ce que la Bible Nobody dit. Nobody can bring a charge ne peut amener against condamnation an elect of God. Aux élus de Dieu. Nobody. Personne. All the devil does is to mess with your mind. Ce que le diable fait, c'est jouer avec vos pensées. But your mind is getting redemption today. Mais votre pensée your mind is getting redemption est rachetée aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Come on, say nobody can stop me. Oh, dites que personne ne peut m'arrêter. I am so blessed. Je suis tellement béni. So blessed. Tellement béni. From glory to glory. De gloire en gloire. Come on, celebrate him if you believe that. Oh, célébrez-le si vous y croyez. You cannot. Vous ne pouvez pas. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? That's why when you're giving your testimony. C'est pour ça que quand je donnais mon témoignage. And the devil says, Nicole, fear. Et le diable disait Nicole, aie peur. And then the spirit of the Lord. Et l'esprit du Seigneur. He said, my daughter. Et m'a dit ma fille. That is a blessing. Il y a une bénédiction. That you are so blessed. Oh, tu es tellement béni. All you need to do. Tout ce que speak tu dois faire, it. C'est de la parler. And then something begins to stay inside of you. Et quelque chose est en train de remuer en And moi. You begin to say, et je commence à dire. I am seated in heavenly places. Amen. Je suis assis dans les lieux célestes I am en Christ seated in Jésus. Heavenly places. Je suis assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, au-dessus. Look at your neighbor. Et dis, regarde ton voisin. Say, this is my blessing time. Dis, c'est mon temps de bénédiction. Celebrate Jesus if you believe that. Oh, célébrez Jésus si vous y croyez. You see that? Vous savez? It took you speaking what you saw in the mirror. Amen. Ça a pris
que je parle de ce que j'ai vu dans le miroir. You saw in the mirror, j'ai vu cela dans le miroir. Which is the word, c'est la parole de Dieu. That you, que moi, you are seated in heavenly places. Je suis assise dans les lieux célestes en Christ Jésus. I said, c'est pour ça que je dis, when you look the, you look through the mirror, quand vous regardez au travers le miroir, you don't see yourself. Vous ne vous voyez plus vous-même. Every other mirror, when you look, you see yourself. Tout autre miroir, quand vous regardez à travers, vous vous voyez vous-même. If you saw yourself in the mirror, si je m'étais vu dans ce miroir, you will see fear. You will see fear, Nicole. Et j'aurais vu Nicole qui a peur, peureuse. But when you look through that mirror, mais quand je regardais à ce miroir, you saw, j'ai vu heavenly places, les lieux célestes, something else, quelque chose d'autre, that image, cette image, that Christ, ce Christ, and then you brought it to you, et je l'ai amené vers and manifested, et je l'ai manifesté, and it produced 90-something%. Amen. Et ça produit 92%. Amen. Get this testimony. Amen. Come on, somebody celebrate Jesus. Oh, célébrons Jésus. Why are you afraid? Quand vous avez peur. Why are you anxious? Pourquoi êtes-vous anxieux? Why are you getting yourself worked up for nothing? Pourquoi est-ce que vous êtes troublé pour rien du tout? Somebody says you can fail. Quelqu'un peut dire je peux échouer. Who born the person? Qui a mis au monde cette personne? I'm taking a lot of you to Africa. You follow me there. Je vous amène en Afrique. Who born the person? Qui a mis au monde cette personne? Brother, say, who born the person? Frère Raymond, qui a mis au monde cette personne? Welcome to Africa. Come Amen. On, people, give the Lord praise. Amen. Give the Lord praise. Amen. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So Paul begins to tell them. Alors Paul leur disait. Look at the blessings you have. Regardez toutes ces bénédictions Number que vous one, avez. La première bénédiction. What is the first thing? Quelle est la première chose? He said you have been chosen before the foundation of the world. Il a dit vous avez été choisi avant la fondation that du is monde. The first thing he tells them. Alors c'est la première chose qu'il leur dit. In other words, en un mot. He hits on their identity. Il a frappé sur leur identité. Verse 4. Le verset 4. Go back to that Ephesians chapter 1 verse 4. Ephésiens 1 4. The first thing he tells us, verse 4. Kati polo seketa. Verse 3 says, blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly realms in Christ, just as he has chosen us in him before the foundations of the earth. Amen. He chose you before the foundation, chose you in him. C'est qu'il vous a choisi en lui. Before the foundation. Avant la fondation. Now, if something is chosen before the foundation. Alors, si quelque chose est choisi avant la fondation. I want you to reflect your mind on the phone. Alors, j'aimerais que vous pensiez au téléphone. Pensez à un téléphone. Now, reflect your mind on this phone. Alors, reflétez votre image, votre pensée sur ce téléphone. This is produced by Samsung. Ça, c'est produit par Samsung. Now for Samsung to produce this phone, alors, pour que Samsung fasse ce téléphone, Samsung has to make sure they have finished the production of the phone in their factory. Ça, que Samsung doit se rassurer qu'ils ont terminé la production de ce téléphone dans la manufacture. And they have tested the phone. Ils ont testé ce téléphone. The phone can make calls. Alors, ce téléphone peut appeler. It can do everything the manual says it can do. Alors, ce téléphone peut faire toutes les actions que le manuel donne. It is tested. Ça a été testé. It is proven. Ça a été prouvé. If not, sinon, they will not put a warranty on it. Ils n'auraient pas mis une garantie sur ce téléphone. So they release it now to the market. Alors ils le mettent sur le marché. Complete phone. Alors c'est un téléphone qui est complet. With everything. Toutes choses. When Apostle Paul begins to tell the church in Ephesus. Alors quand l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse. That you were chosen. Vous avez été élu, choisi. Of the earth. Avant même la fondation What du monde. Is he saying? Alors qu'est-ce qu'il veut dire? He's saying, Il veut dire. Cam, just like the phone. Comme ce téléphone, God, Dieu, before, avant, he was put in the mother's womb, avant qu'il ne soit mis dans les entrailles de sa mère, God completely made him. Dieu l'avait fait complètement. Amen. Do you understand me? Est-ce que vous me comprenez? Not only made him. Non pas qu'il l'ait fait. God made him, Dieu l'a fait. Tested him. Dieu l'a testé. Oh, yeah, yeah, Amen. Yeah, yeah, yeah. To be sure pour se rassurer that he can be
what God says he is. Amen. Qu'il soit ce que Dieu dit qu'il est. And then God releases him now. Alors Dieu le relâche maintenant. And put him in the mother's womb. Et le met dans les entrailles de sa mère. That is why your first existence. C'est pour ça que votre première existence. Is not in the womb. Ce n'est pas dans les entrailles. The womb. Les entrailles. Is the portal of transportation to your second existence. C'est la porte de transport vers votre deuxième existence. This is your second existence. Ici, c'est votre deuxième existence. Your first existence. Votre première existence. With God. C'était en Dieu. Before the earth was even made. Avant même que le ciel et la terre ne soient faits. You are not by accident. Vous n'êtes pas un accident. That is why. C'est pour cela. Because it's a finished product. Parce que c'est un produit fini. Everything is perfect. Tout en lui est parfait. Everything. Tout. Come on, look at your neighbor. Say everything about you is perfect. Regardez votre voisin dit tout en toi est parfait. God doesn't make imperfect things. Dieu ne fait pas des choses imparfaites. I don't care. Even if your eye is on your head, you are perfect. Même si vos yeux sont sur votre tête, vous êtes parfait. Stop looking at yourself in the mirror. I wish. Arrêtez de vous regarder dans le miroir. Si j'étais. Are you down with me? Est-ce que vous êtes là? You are okay. Vous êtes bon. So he brings you now into this earth. Alors il vous amène sur terre. Complete. Vous êtes complet. Now hear me. Écoutez bien. He said, I choose you. Il dit je t'ai choisi. Before the foundation. Avant la fondation. Of the earth. Du monde. Not before the earth. Before the foundation. Il dit pas pendant, mais avant. And you think it's by chance you are here? Et vous pensez que c'est par accident que vous êtes ici? And you think it's by mistake? Et c'est par erreur que vous êtes ici? There is a deliberate design. Il y a un dessin délibéré. Deliberate design. Un dessin for délibéré your creation. Pour votre création. And that's why the Bible says that you are God's masterpiece. Look at your neighbor and say, I'm God's masterpiece. C'est pour ça que la Bible dit vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Yeah. May God open your understanding. Oh, que Dieu ouvre votre compréhension. The master copy. La copie du maître. Is the original. C'est l'original. Every other thing is produced from the master. Tout a été produit par le maître. So you are the brother. You are the masterpiece of God. Donc vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. There's no one like you. Il n'y a personne comme vous. No one will be like you. Et personne ne sera comme vous. So don't allow anybody. Alors ne permettez à personne to talk you less. De vous traiter moins que rien. Don't allow it. Ne permettez pas. No way. Oh non. And let me say something. Et laissez-moi vous dire ceci. You see that phone? Vous voyez ce téléphone? Other phones cannot tell that phone about its quality. Aucun autre téléphone ne peut dire à ce téléphone au sujet de sa qualité. It is only the manufacturer. C'est seulement le manufacturier who can tell about the quality of this phone. Qui peut parler de la qualité de ce téléphone. Amen. 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 Look at your neighbor. Regarde ton voisin. So you can't tell me about my qualities. Oh, dis, tu ne peux pas me parler de mes qualités. Your opinion cannot stop me. Oh, vos opinions you ne peuvent not pas m'arrêter. My manufacturer. Tu n'es pas mon manufacturier, tu n'es pas mon créateur. Come on, celebrate Jesus oh, if you believe that. Célébrez Jésus si vous y croyez. And let me say something. Et laissez-moi vous dire ceci. When you take the manual of that phone. Quand vous regardez le manuel de ce téléphone. And there are many functions there. Il y a beaucoup de fonctionnalités. And most of us usually about 5. Et nous on utilise peut-être juste 5 fonctionnalités. Call. Text, appeler, texter, Facebook, TikTok, WhatsApp. Open your bank account to see if the money has come. Ouvrez le compte bancaire pour voir si l'argent a été déposé. The day there's no money, you don't want to open the bank account. Le jour où il n'y a pas d'argent, vous ne voulez pas ouvrir le compte bancaire. And then maybe GPS. Regardez le GPS. Basically, that's all. C'est tout. But there are more. Mais il y a plus de fonctionnalités que ça. Because the manual says so. Parce que le manuel le dit. That is why. C'est pour cela. When it says, quand il dit, you have been chosen before the foundation. Vous avez été choisi avant la fondation. He is imputing confidence into their identity. C'est qu'il met toute la confiance dans l'identité. He said, you are so blessed. Il dit, tu es tellement béni. That you are
designed by choice. C'est que tu as été dessiné par choix. God made the choice. Dieu a fait le choix to design you. De vous dessiner. Before. Avant. The foundation of the earth. La fondation du monde. Now you come now on earth. Alors maintenant vous there venez sur terre. There are many qualities. Il y a beaucoup de qualités. Brethren, mais bien aimés. All of us here. Tous ici. We have not even exploited up to 10% of who we are. Nous n'avons même pas exploité le 10% de ce que nous sommes. You know why? Vous savez pourquoi? Because. Parce que it is the mission of Satan, c'est la mission de Satan to create distractions, de créer la distraction, to create deviations. De créer des diversions. Jesus says, Jésus dit, when you are transformed into my image, quand vous êtes transformé en mon image, then you manifest my glory. Donc vous manifestez ma gloire. And it says, et il dit ceci, live for me. Vive pour moi. How do you live for him? Comment vous vivez pour lui? Number one, la première chose, you have to fall in love with him. Vous devez tomber amoureux de lui. Your heart must beat for him. Votre cœur doit battre pour lui. When you fall in love with him, lorsque vous tombez amoureux de lui, then now you hold his mirror, the word. Donc maintenant vous regardez à la parole, vous portez la parole. Number two, la deuxième chose, you serve him. Vous le servez. Are you doing any services for him? Faites-vous les services pour lui? Number three, et le troisième point, you represent him, vous le représentez as his ambassador. Comme son ambassadeur. Wherever you are, où vous êtes, peu importe où you vous are êtes, his ambassador. Vous êtes son ambassadeur. He says, live for me. Il dit, vis pour moi. In your job, dans votre you emploi, are his ambassador. Vous êtes son ambassadeur. Everywhere, partout, you are his ambassador. Vous êtes son ambassadeur. Because you are living for him. Parce que vous vivez pour lui. Are you with me? Est-ce que vous êtes là? And you know, et vous savez, like I was sharing the other day, comme je partageais la dernière fois, the new age, you know that if you sit where there's an atheist and you talk with the atheist for 10 minutes, the atheist will not be ashamed to tell you there's no God. Oh, vous savez, si vous êtes assis à côté d'un athée et vous lui parlez pendant 10 minutes, cet athée n'aura pas honte de vous dire que Dieu n'existe pas. But you can talk with him for 2 hours and you'll never tell him that Jesus loves you. Et vous, vous pouvez lui parler pendant 2 heures et vous ne lui dites jamais que Jésus t'aime. So Satan knows. Alors Satan le sait. That you have to abide in his presence. C'est que vous devez demeurer dans sa présence. Don't sit down, please. It's okay. Thank you. You're a pastor, so we are preaching together. You have to abide in his presence. Donc vous devez demeurer dans sa présence. When you abide in his presence. Quand vous demeurez dans sa présence. And it says. Et il dit. The sacrifice. Le sacrifice. Is morning and evening. C'est matin et soir. The offering. L'offrande. It's morning and evening. C'est matin et soir. So that the fire will burn continually. Amen. Afin que le feu brûle continuellement. So the devil knows that. Alors le diable le sait. So what does he do? Alors que fait-il? He creates one demon called Busybody. Et il crée un démon qui s'appelle Busybody. Occupation. Occupation. You become an associate with that demon. Et vous allez devenir un associé à ce démon. And it's not by your choice, eh? Et ce n'est pas votre choix. He doesn't need to say busy. Il n'a pas besoin de dire occupé. He just put some desires in you. Il met juste des désirs en vous. Create financial issues. Il crée des problèmes financiers. So that you have 10 jobs. Donc vous avez 10 emplois. And you are running from one to another. Alors vous courez d'un emploi à un autre. Running. Vous courez. Running. Vous courez. And the one thing, et l'une des choses, the one thing, la seule chose that will make you manifest his glory, qui va vous faire manifester you sa are not glorie, doing it. Vous ne le faites pas. You are running around. Et vous courez partout. That's why you find God's children. Alors vous voyez les enfants de Dieu. They have tried 10 things in life. Ils ont essayé au moins 10 sortes de and choses. As I'm speaking, they are trying number 11. Et là aujourd'hui, ils essaient même la 11e option. They are not even sure it's going to work. Ils ne savent même pas si cette option va marcher. It is not like that now. Ce n'est pas comme ça. You don't do try and error here. Vous n'essayez pas essayer erreur. Write it down. Écrivez ceci. Success is predictable. Le succès est prévisible. And failure also. Et l'échec aussi est prévisible. It's predictable. C'est prévisible. In this kingdom, dans ce royaume, life is predictable. La vie est prévisible. God didn't bring you to gamble. Oh, Dieu n'est pas venu ici par chance. Vous n'avez pas mis par chance. Le mot. Ce n'est pas chercher le mot.
It is predictable. C'est prévisible. Jesus didn't hide it. Jésus ne l'a pas caché. So, the devil knows. Le diable le sait. Even the time you want to spend in it, to spend time in your morning offering. Et même le moment où vous voulez passer du temps le matin dans votre offrande. Il crée des distractions. You have your Bible open. Vous avez votre Bible ouverte. And you are checking Facebook the same time. Et vous regardez Facebook en même temps. Hello. Hi. And you have to. I said, say with me. Say the offering is morning and evening. Dites, l'offrande c'est matin et soir. Which means. Ça veut dire. Morning and evening. Donc matin et soir. You have to find time to spend with the Lord. Vous Amen. Devez trouver du temps de passer avec le Seigneur. Amen. Why? Pourquoi? So that this Afin. Glory afin que vous manifestiez so que tous les potentiels sont dévoilés, the qualities in you toutes les qualités en vous manifest. Se manifestent. So the devil gives you, and you distract. Alors le diable vous distrait avec beaucoup de choses, many things. Beaucoup de choses. And let me say this. Et laissez-moi vous dire Then ceci. It causes you to begin to worry. Alors il vous amène à vous inquiéter aussi. When you worry, you freeze productivity. Quand vous vous inquiétez, vous gelez la productivité. Quand vous vous permettez d'être découragé, vous gelez la productivité. Because at that time, you are not productive. Parce qu'en ce moment-là, vous n'êtes pas productif. But your age keeps growing. Mais votre âge avance aussi. So if you are that person who worry for a long time, in 1 year you worry for 3 months. Alors si vous êtes une personne qui vous inquiète tout le temps, en un an vous êtes inquiet pendant 3 fois. And 3 months you are pendant not, 3 mois. 3 months you are not productive. Alors 3 mois vous n'avez pas été productif. But your next birthday will still come. Mais votre prochain anniversaire viendra Because quand même. Because the birthday is not going to say, let's hold on. Parce que l'anniversaire ne va pas dire attends. Hey, someone say mercy. Miséricorde. What you were supposed to be doing for the 3 months? Ce que vous étiez censé faire dans ces 3 mois, vous ne l'avez pas fait. You have carried it forward. Alors vous avez amené ça en avant. And that is why you see somebody. C'est pour ça que vous voyez des gens. When you are supposed to be resting, quand vous êtes censé vous reposer, you have hopes of a 20-year-old. Vous avez l'espoir d'une personne de 20 ans. Let's close this thing. Terminons. You don't like this one. Le cadebro satata mahandela bo seketa la brahilos kete kalabo satata aya la ba satata. Listen to me. Écoutez-moi bien. He says you have been chosen. Il dit vous avez été choisi. To be holy and blameless. D'être saint et irréprochable. The second blessing is your holiness and blameless was established before you were born. Votre sainteté et votre irréprochabilité a été établie avant que vous ne soyez né. Amen. Holiness. La sainteté. Is a state given to you by God. Est un état qui vous a été donné par Dieu. Purity. La pureté. Is a state you try to attain away from uncleanliness. La pureté, c'est un état qu'on essaie d'atteindre pour quand on est sale. Yeah. Quand on est impur. Yeah. When you guard your spirit, quand vous gardez votre esprit from wrong thoughts, de mauvaises pensées, from evil thinking, de toutes ces pensées méchantes, you are walking towards purity. Vous marchez vers la pureté. But you cannot walk holiness. Mais vous ne pouvez pas marcher avec sainteté. No, you cannot walk out holiness. Ah, vous ne pouvez pas créer la sainteté. It is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. He brings it to you. C'est le Saint-Esprit qui vous l'amène. He brings it to you. Il vous l'amène. And it says, before you were born, il dit avant que vous ne soyez créés, Dieu avait déjà établi cela. Amen. And your blamelessness. Alors votre irréprochabilité. There's a reason I want to say this. La raison pour laquelle je veux dire ceci. Hear me. Écoutez bien. Before the foundations of the earth, avant la fondation du monde, your blamelessness has been established. Votre irréprochabilité a été établie. Don't allow any devil accuse you. Ne permettez pas à aucun diable de vous accuser. Amen. Brother, mon frère, before you were born, avant que vous ne soyez né, he established your holiness and blameless. Il a établi votre sainteté et votre irréprochabilité. Did he not know that you were going to commit?
Est-ce que tu savais que tu allais faire ça? But he says, I have established your blamelessness. Mais il a dit, j'ai établi ton irréprochabilité. Let me show this as we pray. Laissez-moi vous montrer ceci watch, avant que nous prions. Regardez ceci. God is saying, Dieu dit, if Yanel sin, si le frère Yanel pêche, he sin unto God. Il pêche contre Dieu. He repents unto God. Il se répand devant Dieu, God à Dieu. Him. Alors Dieu le restaure. It is not the business of Satan. Ce n'est pas les affaires de, du diable. Are you understanding me? Est-ce que vous me comprenez? When your son quand votre fils does something outside, fait quelque chose à l'extérieur, and people are killing your son, alors les gens tuent votre fils, what do you do? Qu'est-ce que vous faites? You protect your son, vous protégez votre fils, and bring your son inside, et vous amenez votre and fils deal à l'intérieur. With your son yourself. Et c'est vous qui allez gérer votre fils vous-même. This is what God is saying. Et c'est ce que Dieu dit. So, when you sin, donc quand vous péchez, he still protects you, il vous protège quand même. Brings you inside, il vous amène à l'intérieur. And say, Yanel, il dit, Yanel, what you have done, ce que tu as fait, I don't like it. Je ne l'aime pas. You repent unto him. Alors vous vous repentez à lui. Romans chapter 14, verse 4. Et Romains 14, 4 dit ceci. Put that scripture as we pray. Alors mettez ces écritures à, comme nous prions. Lift up your hand. Élevez vos mains. Say, by the blood of Jesus, dites par le sang de Jésus. My blamelessness is established. Ma reprochabilité est établie. Everybody read. Tous lisons. Lisez aussi dans Want vos to Bibles. Go. Who are you to judge another man's servant? To his to own master, master he stands on for. Hold on. That's what I'm preaching here. Et c'est de ça dont je prêche maintenant. If you fall, si vous tombez, you fall to God. Vous tombez devant but then Dieu. He says, indeed, he will be able to stand, for God is able to make him stand. Amen. Il dit ceci, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. He's able. Le Seigneur est capable. Are you there with me? Est-ce que vous m'entendez? Lift up your hands, I'm blameless. Je suis irréprochable. Because of his blood. À cause de son sang. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because my blamelessness is established. Parce que ma réprochabilité est établie. Before the foundations of the earth. Avant la fondation du monde. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now hold on. Attendez. Hear me. Écoutez bien. What am I saying? Ce que je veux dire. If you sin. Si vous péchez. Repent. Répentez-vous. To your God. À Dieu. And stand. Et mettez-vous debout. Don't allow the devil to condemn you there. Ne permettez pas au diable de vous condamner dans cet état-là. Repent to your God and stand. Répentez-vous à Dieu et recommencez. Don't even allow anybody to condemn you there. Ne permettez à personne de vous condamner dans cet état. It's not their business. Ce n'est pas leur problème. It's God's business. C'est le problème de Dieu. Lift up your hand. Élevez vos mains. Say thank you, Father. Dis merci, Père. Open your mouth and begin to talk to him. Oh, ouvrez vos bouches et commencez à lui parler. Begin to talk to him. Commencez à lui parler. Begin to talk to him. Commencez à lui parler. God is delivering somebody from a condemned conscience. Oh, Dieu délivre quelqu'un d'une conscience condamnée. There's somebody your conscience has been condemning you. Il y a quelqu'un dont la conscience condamne. Even though you have repented. Même si vous vous êtes repenti. God is setting you free today. Oh, Jésus vous libère. He's breaking you today. Il vous libère. He's delivering you today. Il vous délivre aujourd'hui. He's setting you free today. Il vous met by the power of the Spirit of God. Come on, you are talking to the Lord. Oh, vous parlez au Seigneur. Holiness is a blessing. La sainteté est blamelessness une bénédiction. Is a blessing. Être non blâmé, c'est une bénédiction. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Don't allow the devil to accuse you to your mind. Ne permettez pas au diable de vous accuser dans votre pensée. You will tell him, vous lui direz. If I fell, I fell unto my God. Si je suis tombé envers mon He's Dieu. Able to restore me. Il est capable de me restaurer. He's able to hold me back. Il est capable de me raffermir de nouveau. So I receive the grace. Dites, je reçois la grâce. To live for Christ. De vivre pour Christ. I receive the grace. Je reçois la grâce. To live for Christ. De vivre pour Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.
For I have received of the Lord that which also I delivered to you, that the Lord Jesus, the night before he was betrayed, took bread. And after he broke it, he gave thanks and said, take, eat, this is my body. Father of our Lord Jesus, we thank you for your body. Lord, as we partake in your body, we receive strength and grace to believe in our identity that you choose us. So we are designed by purpose. And we are designed for purpose. Amen. God of the heavens and the earth, Amen. I pray that as we partake in your body, Amen. It will stir up a deep love for you, Amen. And a deep fellowship with Amen. You. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, he said, take, this cup is the New Testament in my blood. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Father, thank you for this, the cup of the New Testament. This is the cup of your blood. Excellent God, purified. And as we partake, let your glory be revealed in us. Amen. Let us be transformed. Amen. And let us manifest the fullness of all the blessings you have proclaimed upon us. Amen. By the power of your spirit. Amen. Thank you, Father. Merci. That all the prayers that were prayed during the fasting will be answered, will manifest. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, excellent God. As the people come to your table, comme le peuple avance vers la table, may your spirit, que votre esprit, open their hearts, ouvre leur cœur, by faith, par la foi, let them be transformed, qu'ils soient transformés, let them manifest your glory, qu'ils manifestent ta gloire, let them walk in the blessings, qu'ils marchent dans la bénédiction, the spiritual blessings, les bénédictions the spirituelles, physical blessings, les bénédictions physiques, the blessings by obedience, les bénédictions par obéissance, the blessing unmerited, les bénédictions the non méritées, blessing unsolicited, les bénédictions non sollicitées, let them manifest in this blessing, qu'ils manifestent dans ces bénédictions, those who are sick, let them be healed, que ceux qui sont malades soient guéris, those who are struggling with anxiety, may they receive peace in their heart. Que ceux qui se comportent avec l'anxiété reçoivent la paix dans leur cœur. Those who feel condemned, may they receive justification. Que ceux qui se sentent condamnés reçoivent la justification. By the power of your spirit. Par la puissance de ton esprit. Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. As we are coming to the table, comme nous venons à la table, you are here, vous êtes ici, and you have not received Christ into your life. Vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans and votre you want vie, to receive him, et vous voulez recevoir Jésus-Christ, so that you can manifest that glory, afin que vous manifestiez cette gloire. You can lift up your hand, alors élevez votre main, and we are going to pray with you, et nous allons prier avec vous. And after that, après cela, you can partake on the table. Vous pouvez prendre place à la communion. You want to receive Christ. Vous voulez recevoir Christ. Let's know. Laissez-nous savoir. You're online. Vous êtes en ligne. You want to receive Christ. Vous voulez recevoir Christ. Just repeat this after me. Donc répétez ceci après Father, moi. Père, thank you for dying for my life. Merci d'être mort pour ma vie. Open my heart to believe. Oh, ouvre mon cœur à croire. That you died for my sins. Que tu es mort pour mes péchés. Forgive me, Lord Jesus. Oh, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Come into my heart. Oh, comme viens dans mon cœur. I declare. Et je déclare. You are my Lord and Savior. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Thank you for forgiving me. Merci de m'avoir pardonné. Thank you for accepting me. Merci de m'avoir accepté. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now listen to me. Écoutez-moi bien. You are also here. Si vous êtes ici. You are not baptized. Vous n'avez pas été baptisé. See Pastor Johnson. Allez voir le pasteur Johnson. So you can be baptized. Afin que vous soyez baptisé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's come and partake, please. Alors vous pouvez avancer et prendre la communion. Yes, I prevail.
Separate the body from the blood and wait for us to do it together. Ne mangez pas encore, juste séparez le corps et attendez avant de prendre. Covenant with Christ. Le corps et le sang de Christ est une alliance secrète en Christ. And the Bible says when we partake in this body and blood, we receive life. Et la Bible dit lorsqu'on partage son corps et son sang, nous recevons la vie. That's why we give it to our children also. C'est pour ça que nous le donnons aussi à nos enfants. Because what is the best gift for your child than to receive the life of Christ? Parce que le meilleur cadeau pour votre enfant, c'est de recevoir la vie de Christ. So that they can grow up with that consciousness of intimacy with Christ. Afin qu'ils puissent grandir avec cette conscience de l'intimité avec Christ. I know there are religions that says don't give children. Je sais qu'il y a des religions qui disent de ne pas donner la communion aux enfants. But I believe. Mais moi je crois. That children are the future. Que les enfants sont le futur. When they partake in the body and blood of Christ. Lorsqu'ils partagent le corps et le sang de Christ. According to John chapter 6. Selon Jean 6. They move from death to life. Ils vont de la mort à la vie. They receive the life of Christ in them. Ils reçoivent la vie de Christ en eux. Their bodies are healed. Alors leurs corps sont guéris. Their spirits are free from pollution. Et leurs esprits sont libres de toute pollution. Any form of corruption. De toute forme de corruption. So in case somebody is wondering why we give children, that is why we give children. Alors si quelqu'un se pose la question pourquoi on donne ça aux enfants, c'est pour ces raisons-là. Lift up the body. Alors élevez votre corps, le corps. Say Father. Dis Père. Thank you for your body. Merci pour ton corps. As I partake in your body. Comme je partage ton corps. Refresh my spirit. Rafraîchis mon esprit. And open my heart. Et ouvre mon cœur. To be transformed. Afin d'être transformé. Into your image. À ton image. From glory to glory. De gloire en gloire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Can we partake? Alors vous pouvez prendre. Jesus. Jesus. By your name, you cross. Jesus, Jesus, the righteous. By your blood. Le sang. Lift up the blood. Alors, élevez la coupe. Say, Father. Dites, Père. This is the cup of the New Testament. Ça c'est la coupe de la nouvelle alliance. As I partake in the blood of Christ. Et je partage le sang de Christ. I receive his life. Et je reçois sa vie. I receive forgiveness. Et je reçois le pardon. I receive healing. Et je reçois la guérison. To any form of sickness in my body. Et toute forme de maladie dans mon corps. I receive restoration. Je reçois la restauration. For any organ in my body that was not functioning properly. Dans tout organe de mon corps qui ne fonctionnait pas I normalement. Receive
restoration. Je reçois la restauration. To my mind. À mon esprit. I receive revival. Et je reçois le réveil. In my spirit. Dans mon esprit. I receive favor. Et je reçois la faveur. To manifest the blessings. De manifester les bénédictions. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now just talk to the Lord what you want the Lord to do as you partake in His body. Alors dites au Seigneur ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous et partagez le sang. Jesus. In Jesus' name, au nom de let's Jesus, partake. Prenons. Jesus, you reign over me. Jesus. The Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse. The Lord surround you with a shield of favor. Que l'Éternel vous entoure de du bouclier de la faveur. The Lord cause every blessing to manifest in your life. Que le Seigneur permette que toutes les bénédictions se manifestent and dans vos vies. And the countenance of the Lord rest upon you. Et que la contenance du Seigneur reste go sur vous. Go in the blessings of the Lord. Allez avec les bénédictions du manifest Seigneur. Manifest that blessings. Manifestez ces bénédictions. And walk in total healing and dominion. Et marchez dans toute guérison et domination. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Dieu vous bénisse. Come and celebrate the Lord. God bless you. D'être venu célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Blessings, everyone. Blessings. If you're visiting us for the first time,